Salut à tous, c'est CoasterTube et on se retrouve aujourd'hui à Fantasyland, le parc de mes rêves, voilà, pour une journée complète. Je vais essayer de vous filmer le maximum de choses. On est parti pour une journée au parc Fantasyland. Et on va tout de suite se rendre à l'attraction Mousse and Chocolat. Tout est en allemand, donc je ne comprends rien. Et on est les premiers à rentrer dans l'attraction.
faire. Donc c'est que, tu vois. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Ça va pas être violent.
sûr. La tête de papy dans la descente, elle était magnifique. Descente, elle t'a pas tué, hein. Thank you.
On est toujours à Fantasyland et on va se rendre vers les deux coasters qui tournent dans le style de Crush Coaster à Disneyland. Je me souviens absolument plus du nom. Et voilà, on a fait le parc, il n'y a pas trop de monde. C'est vraiment top, il est vraiment génial. Et maintenant, on se rend à Tarot pour 30 minutes d'attente et surtout une attraction absolument incroyable. Je vous laisse regarder. Apparemment, la file d'attente passe sous les rails. Il a l'air vraiment bien fou, surtout le deuxième lunch qui a l'air d'envoyer énormément. On va aller tester ça, c'est parti pour Tarot. Je ne sais pas si je vais pouvoir filmer, mais je vais faire ce que je peux. Et on continue la journée dans le parc Fantasyland. Là on est en Houston. Ici il y a pas mal d'attractions dont la nouveauté 2018-2019, je sais pas trop. Juste là. Qui est actuellement en construction. Là ils ont fermé toute la zone. Et tout va se reconstruire. Au niveau des temps d'attente c'est plutôt cool. On est entre 10, 15 minutes, 20 minutes à peu près partout. Donc c'est vraiment sympa. Là on va aller faire une attraction. Apparemment il y a 0 minutes. 0 veut-il dire que c'est fermé? Je ne sais pas. On va aller voir ça, c'est tout au bout. J'irais bien faire force. Parce qu'on a fait fear ce matin. Et j'irais bien faire force. Voilà, on continue la journée au parc Fantasyland.
continue la journée. On se rend. Je me souviens plus du nom. Ça m'a l'air bien bien violent. Et apparemment, on est vite trempé. Vraiment trempé. Là, on a la tour qui est absolument géniale. On va se rendre dans apparemment ce qui est l'attraction la plus, plus mouillante, même si je ne pense pas que ça se dise, de Fantasyland. Yeah!
je viens de ressortir. Et j'avoue que je n'assume pas du tout l'attraction aquatique que je viens de faire. Je viens de prendre une douche totale. C'était vraiment un truc de ouf. Tarin, toujours aussi magnifique. Puis là, je vais peut-être rentrer parce que au final, j'ai fait tout le tour des attractions. Il y aura eu un peu de monde sur le parc. C'était tout à fait possible de tout faire. Et c'est la fin de cette journée à Fantasialand. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne CoasterTube. En attendant, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos, à liker et à vous abonner.